Bedbug better come through. Putting a lot of faith in this kid. I don't know if he's up for the job. He's the cleanest way in right now. Let's hope I don't kill him. Gotta get inside that building and stay very close to Bedbug's signal. If we lose communication, that could panic the kid. I need to keep him calm. Yeah. Are you ready? Yeah. Where are you? Close enough. Go. My finger's still on the play button if I think you're stalling me. If I get caught... He trusts you. You made sure of that. What's on Iraq's floor? I don't know, man. Rooms? There's one room Iraq don't let nobody inside. You're going in today. Oh, no way. I can't. Listen. It's got some security door. You're covered. Just get your phone near it. You're going inside that room. I ain't no snitch. I don't talk to the cops. Good. I'm not a cop. Man. Just listen to what I say and move when I tell you. I'm gonna watch out for you. Okay. Okay, worth it, man. Move. Go, go. Stay low. I'm going. Go, quickly. Oh, fuck. Relax. How old are you? 19, man. Jesus. You're still a kid. Grandma says I was always big for my age. I don't want to do this. The smarter it is, the more it's a piece of shit. Move. All right. Move it. Okay. Okay, now. Go, go. I should be here, man. See that door? No one seen no invitation? Just get close enough. Only a rat can get in, man. Hold up a sec. Need to look through your camera. Computers through there.
Why are you doing this, man? This ain't your world. It's complicated. We got plenty of time. Iraq was involved in something that hurt my family. I want answers. That ain't so complicated. Give me a minute. I wasn't expecting this. I told you, man. I told you ain't nobody but Iraq. Quiet. Hardware. There, get close. Shit. What? Just stay there. No. Wait, that's not enough. Go back. Hey, boy, what's this shit? Come on. Il avait tout fait comme je lui avais dit. Et Irak, il a tué son propre cousin. C'est à cause de moi qu'il est mort. J'ai pas obtenu grand-chose. J'espère que ça suffira. Ok les mecs, c'est bon, on est là. C'est passé pour des gonzesses là. Trouvez-le. Dis-moi que t'as quelque chose. Le téléchargement est incomplet, mais on a quelque chose, oui. Son ordinateur est rempli de documents pour faire chanter et... tout le monde, en fait. Écoute un peu le nom des dossiers. Sextape chef de police, Potvin PDG Bloom, intrusion CDOS... Irak détient l'arme la plus dangereuse de toute la ville. Pas étonnant que les flics lui foutent la paix. Il a dû avoir une discussion avec le chef de la police. T'as accès au contenu des dossiers ? Pas encore, mais j'essaie. Il y a un dossier sur l'affaire Merlot ? Merlot ? Oui, il y en a un. Parfait. J'arrive bientôt. Allô, ça marche toujours ce truc ? Bedbug, il faut que tu sortes de là. Ça y est, t'inquiète. Je me suis dit que je pouvais peut-être t'aider, tu sais, à trouver des réponses par rapport à ta famille. La vidéo qu'on a vue sur l'écran, Irak m'a demandé ce que je savais dessus et sur Rose Washington. Rose Washington ? Je sais pas qui c'est, mais elle est dans la vidéo. Irak m'a dit qu'elle était morte. Ok, merci. Ça m'aidera peut-être. Ouais. Sinon, toi et moi, on est quitte. On est quitte. T'as fait du bon boulot. Top boy.
t'es très discret à Recifremont. T'as des bonnes nouvelles pour moi? L'ordinateur d'Irak est rempli de dossiers sur beaucoup de monde. Sur des hommes politiques, sur des dirigeants du CTOS. Il y a même des infos sur le Merlot. Je le savais! Je t'avais dit qu'il y avait quelque chose. Mais c'est crypté. J'y ai pas accès. Mais tu te rappelles de la vidéo qu'on a trouvée au Merlot? La femme s'appelle Rose Washington. Rose Washington. Ça me dit quelque chose. Elle bossait pas pour le CTOS. Putain, Aiden. T'as touché le gros lot. J'ai suivi ton IP. Bon, maintenant tu libères ma sœur. Non, c'est que le début. Cette vidéo a de la valeur pour quelqu'un. Suffisamment pour justifier une attaque sur moi ou sur ta nièce. Fais attention, Damien. Allez, je sais que t'as autant envie que moi de savoir ce qui s'est vraiment passé. C'était pas ça, le deal. Bien sûr que si. T'as dit que c'était crypté. Alors ton job est pas fini. Non, tu peux pas faire ça. Je peux faire tout ce que je veux. Salut, c'est moi. Nikki, comment ça va? Je suis crevée. Mais ça va, il s'occupe bien de moi. Viens me chercher, s'il te plaît. Ok, il y a d'autres personnes avec toi. Bon, ça va bien se passer. Faut que tu te tiennes prête. Je vais venir te chercher. J'ai besoin de voir Jackson. Comment il va? Il est très courageux. Il tient ça de sa mère. Mais il est surtout têtu, comme son oncle. Ouais, ça tu peux le dire. Ce gosse est une vraie tête de mule. Ça suffit. Au revoir. J'aurais dû m'attendre à ça venant de Damien. Il a une idée derrière la tête. Il en veut toujours plus. Ok. Chaque chose en son temps. Il me faut tous les dossiers compromettants d'Irak. Et une fois que je les aurai, alors je traiterai avec Damien. Bien. J'ai pas eu grand chose. Le transfert a été coupé. Ah merde. Je le savais. Ok. Va falloir que je trouve un moyen d'entrer tout seul. T'es dingue ou quoi? Même si t'arrives à entrer, on pourra pas le lire. C'est crypté. Et... qu'est-ce que tu veux que je fasse? Damien retient Nikki, je l'appelle et je lui dis de la garder? Non, bien sûr que non. J'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il se sert de toi. Je sais, et je lui donnerai rien avant de savoir ce qu'il veut vraiment. On peut pas lui faire confiance. Ça, je le sais. Bon, allez, on se concentre. Un seul problème à la fois. D'accord? Si j'arrive à récupérer les données, tu pourras les décrypter? Non, j'ai pas le niveau pour ça, c'est... qui, alors? Pourquoi pas l'autre? L'autre cinglé, là... Tobias... il bossait ici avant. Ok, commençons par là, alors. D'accord, mais cette fois-ci, il va falloir être discret. Je sais être discrète, merci. Désolé. Ça va. Ok. Waouh. Quoi? Oh. Raymond Kenny. C'est forcément lui. C'est un ingénieur logiciel qui a été engagé pour les débuts du CTOS. C'est lui qui a créé le cryptage. Un créateur se garde toujours un accès secret. Et il peut décrypter ça? Kenny est très très fort. Il a sûrement conçu cette pièce. C'est un génie. Non, non. Plutôt une légende. Et je suppose que c'est dur à trouver, une légende. Il a complètement disparu. Personne n'a de nouvelles depuis plus d'un an. Il doit se planquer quelque part. Bon, tout le monde a un historique en ligne. On part de là. On chope le dernier emplacement de Kenny et on remonte la source. Ça fait plus d'un an qu'il a disparu. Ça risque d'être long. Voilà. Il a bien réussi à brouiller les pistes. Mais il est passé par le même endroit plusieurs fois. Maintenant, on décortique le tout pour trouver son emplacement. En théorie, oui.
Il faut que tu atteignes cet endroit pour me relier à l'ordinateur. Je lancerai la recherche depuis le bunker. Et on retrouvera Kenny. Fini par trouver Kenny. Faudra faire gaffe. Il est super dangereux comme mec. Dangereux? T'as quoi sur lui? En fait, ça dépend à qui tu demandes. Mais en fonction des sources, c'est soit un lanceur d'alerte, soit un cyberterroriste. Pour faire passer son message, il a provoqué une coupure dans tout l'état de New York. Oui, je m'en souviens. C'était en 2003. C'était pas juste New York, il y avait presque tout le Nord-Est. Il y a même eu des morts, je crois. Il a provoqué la mort de 11 personnes. Ils ont alors parlé d'une erreur logicielle. Et c'était quoi son message? Kenny se méfiait de Bloom. Il voulait informer tout le monde des agissements de la boîte. Mais à mon avis, il s'attendait pas à ce que des gens meurent. Et depuis cette histoire, il a disparu. Et on est sur le point de le retrouver. T'es en train de te diriger vers l'endroit d'où provient le dernier signal de Raymond Kenny. Il masque sa position en acheminant ses paquets via un réseau d'ordinateurs zombies. Oui, je connais ce truc, c'est efficace. Il a sans doute renvoyé son signal aux quatre coins de la planète. On risque d'avoir un problème si le signal termine en Chine ou dans un pays lointain. Non, il est ici. Il a disparu de la circulation, mais Kenny est un ancien de Bloom. Quelque chose me dit qu'il a voulu rester proche de l'action. Peut-être. Mais s'il était vraiment à Chicago, pourquoi on n'a pas entendu parler de lui? C'est pas le genre de type à rester assis, les bras croisés. Tu m'as dit qu'il avait tué des gens, non? Il doit y avoir une jolie prime sur sa tête. Une bonne raison pour pas faire de vagues. Faut attendre combien de temps, là? Ils ont envoyé quelqu'un. Un informaticien, je crois. On lâche rien. Ils veulent sûrement récupérer quelque chose sur les ordis. Tu parles d'un contrat pourri. Ils n'ont pas intérêt à essayer de m'initier sur la paye. Je veux mon tarif habituel. C'est vraiment un taudis. On dirait que personne n'est venu depuis des mois. Merde, quelqu'un nous a repérés, Clara. Il faut qu'on se dépêche. De quoi j'ai besoin, là? Connecte-moi à l'ordinateur. Je vais lancer la recherche depuis le bunker. Waouh. Ça, c'est old school. Je comprends pourquoi les flics n'arrivent pas à fermer le club. Clara, je suis en ligne. Thank you.
chargé. Position de la cible confirmée. Viens. J'ai ce qu'il me faut. On est prêt. Waouh, tu vas vraiment rencontrer Ray, Kenny ? J'arrive pas à croire qu'on l'ait retrouvé. On l'a pas encore trouvé, mais on s'en approche. Si ça se trouve, il refusera de t'aider. Parce qu'en décryptant tes fichiers, il se retrouverait exposé. C'est un ancien lanceur d'alerte. Les dossiers contiennent bien des infos compromettantes sur Bloom. Sur Bloom, oui, et sur tout le monde. Alors je pense qu'un ancien militant anti-Bloom pourra pas refuser. Quand tu l'auras retrouvé, qu'est-ce que tu comptes lui offrir ? On a vu ce qui se passe quand on commence à creuser. S'il nous aide à décrypter les fichiers, il sera exposé. Je trouverai quelque chose. S'il se planque, c'est pour une raison. Ouais,
réussi à retourner contre Bloom, en révélant leur méthode. Alors ça va marcher. T'as l'intention de le menacer? Non. Un lanceur d'alerte, ça a soif de justice. Il cherche peut-être une cause, et j'en ai une parfaite à lui proposer.